sorry يا كانتي تما ما يدخدي دم نيو دان الما ما يبقى جوك نيو بانتا يما بطمع اليوم نيا كلام نما فما ما ندوكو سيطاني تقما جل سام لخو غني يلوان ما ناقي حتى منو يتما Lala. Non, 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 non. Désolée de te dire ça, mais je crois qu'il est temps que tu tiennes tête à ta mère. Oui, tu dois t'occuper d'elle, mais fais-le de manière raisonnable. Garde au moins un peu d'argent pour tes besoins. Tu sais bien comment on fonctionne. Que ce soit toi, moi, et même Soda, ou n'importe quelle autre fille. Ça, vous le savez. Nous devons faire ce qu'il y a à faire pour cette maison. À plus forte raison, vous deux. Mais... Je comprends que ta situation soit un peu compliquée. C'est pourquoi j'essaye de te comprendre au maximum. De toutes les filles, il n'y a que toi à qui j'ai donné la chance de ne fréquenter qu'un seul homme. C'est pour cette raison que tu dois faire plus d'efforts. Bon, tu sais quoi ? Je vais te trouver un autre client. Un client ? Ouais. Non, Tata, s'il te plaît. Demain, je te donnerai l'argent nécessaire. Ma décision est déjà prise. J'ai déjà ma petite idée sur ça. Tata, demain, je te donnerai toutes mes économies s'il le faut. Ton épargne. Si tu y touches maintenant, tu ne vas plus t'arrêter. Tu finiras par te ruiner. Et tu n'auras plus rien. Tu comptes sur cet argent pour construire une maison pour ta mère. Mais j'arriverai pas à être avec un autre homme. Calme-toi, Lala. Vous n'en arriverez pas là. Le client dont je parle est un homme veuf. C'est juste un excentrique qui a besoin qu'on s'occupe de lui. Tu l'accompagnes, il n'a pas besoin de plus que ça. Bref, une fois que je vous aurai présenté, tu en sauras davantage à son sujet, c'est d'accord ? Mais... On dirait que c'était le feu avec ton client de la fois passée. Ce vieux est carrément tombé sous ton charme. Il t'offre le triple. Il t'offre le triple de ce que tu demandes pour pouvoir te revoir. Non mais dis-moi franchement, si c'était pour juste me dire ça, t'aurais pu m'appeler. Ou me laisser un texto au lieu de me faire sortir à une heure pareille. Sois cool. Je t'ai apporté un cadeau. Le travail bien fait mérite une récompense. T'en veux pas ? Très bien, je peux repartir avec si tu veux. Je vais le vendre histoire de me faire de l'argent. En tout cas, je reste convaincu que demain, t'en auras besoin. De quoi tu parles ? Encore un autre vieux ? On se connaît ? C'est bien toi la pote de Mati ? Alors tu connais Mati ? En effet, c'est une très bonne amie. D'accord, je crois que Mati est à l'intérieur. Ouais, je l'ai déjà vu. Je peux passer ? Attends, danse avec moi ! Lâche-moi, j'en ai pas envie. Et pourquoi ça ? Je suis pas obligée. Allez, fais pas ta timide, juste une danse. Linda ? Moussa. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue avec Fatoumata. Allez, viens. C'était quoi, ça ? Rien. Je suis sortie pour prendre un peu l'air. Il y a trop de monde dedans. On voit que t'as pas l'habitude. Mais dis-moi, t'es pas censée avoir cours demain ? Si. Mais j'avais juste besoin de me changer un peu les idées avec mes amis. On va pas rester longtemps.
Ok, je vois. Mais fais attention, Linda. L'entourage joue un rôle énorme dans ce qu'on devient. Il ne faut pas qu'à cause de mauvaises influences, tu oublies le pourquoi de ta venue ici. Moussa ! Hé, hey, Banel. Ouais. Ça va ? Ouais, ça va super. Je t'avais jamais vu comme ça, Banel. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est normal. Pour tout te dire, j'ai passé une excellente soirée. T'étais passé où, toi ? Je t'ai cherché partout. Tiens. Il y a trop de monde ici. C'est bon, maintenant, on peut rentrer. Ouais, on peut rentrer. Je tiens plus debout tellement je suis crevée. C'est normal, vu comment tu t'es éclatée. Là, t'abuses. T'as bien profité. Comment tu vas faire pour aller à Yumble à cette heure-ci ? Je vais passer la nuit chez Fatoumata. Ouais. Vraiment ? Je pensais que ta tante était stricte. Ça m'étonnerait qu'elle te laisse sortir à cette heure-ci. Alors, vu qu'il est déjà tard, accompagne-nous pour prendre un taxi. Tu sais, d'habitude, on rentre à pied. Ne t'inquiète surtout pas. Je vous raccompagne jusque chez vous. Elle a bu quoi, ta copine ? Sans doute le sérum du bonheur. Je l'ai jamais vue comme ça. Elle m'étonne vraiment. Je vais dans ma chambre. T'as besoin de moi ? Non, merci. Mais dis-moi... Oui ? Tu penses quoi de Linda ? Linda ? Linda, je l'apprécie bien. Mmh. Mmh. C'est rare, ça. C'est bien la première fois que... tu apprécies une fille que j'ai recrutée. Lala, je l'aime bien aussi. C'est une brave jeune fille. Mmh. Je vois. Mais Linda... tu l'as vue. Elle est très belle. Si on pense tous les deux la même chose, alors laisse tomber. Et pourquoi ? Cette fille est innocente, Dalanda. Elle connaît rien de la vie. Elle a un bon cœur. Ce que tu veux, c'est pas pour elle. Qui n'était pas innocent ici, à son début ? L'innocence n'a aucun sens, fidèle. Moi aussi, j'étais innocente, à mes débuts. Tu te rappelles ? Ça se voit qu'elle est vierge. Elle est pure. Je l'ai entendu parler avec sa mère au téléphone. Elle mérite mieux que cette vie. C'est dommage. Bonne nuit, fidèle.